presque parfait. Nous espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu le nom aligné sur la feuille de match, on devrait enfin se régaler. Oh la frappe! Ses coéquipiers comptent autant sur lui. Ils savent qu'ils peuvent faire la différence à tout moment. Vous en pensez quoi de ce but, Ahmed? La défense était un peu à la rue à mon avis, mais la passe était bonne. Il a eu tout le temps d'ajuster sa frappe. Cette affiche tient déjà toutes ses promesses. L'ouverture lumineuse. Rummenigge. Messi. Et ça fait but. L'égalisation. Ça n'aura pas traîné. Oui, ça montre leur force de caractère. Ça aurait pu leur mettre un coup derrière. Pourtant, il était loin. Bon, avant, je chambrais un peu les gardiens sous ces tirs de loin. Mais maintenant, je suis un peu moins dur. C'est très difficile de lire la trajectoire de ces ballons flottants. Le jeu reprend sur un score de parité. Alors là, chapeau, hein. Voilà une superbe réaction. Ils ont su rebondir immédiatement après ce but encaissé. Rummenigge. Il est bien placé. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Il est bien trouvé! S'il le trouve, ça peut être extrêmement dangereux. Et c'est une bonne situation sur l'aile gauche. Le ballon dans la profondeur. Il y avait mieux à faire là. Le contre était super bien amorcé. Ça avait suivi. Dommage. Et ça n'arrivera pas. Pas assez précis. La passe est précise, ça n'ira pas plus loin. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il va falloir dire que ça manquait de précision aussi. Ça va sur l'aile, le petit 1-2. Il y a peut-être un... Raphaël Léao ! Oh, la belle contre-attaque. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Oh, le bon ballon! À droite. Voilà une bonne occasion du contre. La longue passe. Il file vers le but. Il centre encore. Il met la tête. La qualité du centre. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction. Et ça nous donne un but. Devant maintenant au tableau d'affichage. Ça ne devait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable métronome. Sancho! Non, ça manque d'application. Neymar! Oh, c'est chaud! L'interception, c'était chaud! Pedri, attention, ça peut aller très vite. Bien vu, c'est intercepté. Oui, il a bien anticipé. Interception, bien joué. Oui, très bonne anticipation. Le bon dribble. Quelle occasion, attention! C'est on vous dit qu'il faut parfois un but pour obtenir une réaction. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Vous pouvez la marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable. Et c'est reparti, les deux équipes sont de nouveau à égalité. Les occasions sont rares dans ces matchs, mais il a réussi à profiter de celle-là. Quelle passe! C'est bien donné. Fabinho. Ça peut partir en contre. Le ballon circule bien, techniquement c'est soyeux. Il relance côté droit. There will be 1 minute added time. Le ballon sort du terrain. Bellingham, bien servi, Raphaël Léao. On ne s'est pas ennuyé, on a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. La première période est terminée, qu'en retiendrez-vous? La deuxième mi-temps nous réserve.
instant au cours de la seconde période. Allez, le plus important, c'est de bien entrer dans cette seconde période, quitte à prendre quelques risques pour tenter d'égaliser rapidement. C'est joué long. Peut-être une occasion pour Messi. La passe dans la profondeur. C'est joué en retrait. Faut tirer là. Il cherche son coéquipier. Et ça peut partir en contre. C'est bien fait, ça. Il est passé. La frappe. Il tire. Et ça finit au score. Allez, votre analyse, Arène. Et voilà ce qui se passe quand vous laissez un joueur comme lui libre dans la surface. Et c'est quasiment suicidaire. L'entraîneur a eu raison de le faire entrer, ça paye vite. Et voilà une bonne manière de péter son entrée en jeu. C'est fabuleux. Quel match! En tout cas, il ne lâche rien. Eh bien, on savait que ce match serait serré et ça se confirme. Passe interceptée. Neymar. Cristiano Ronaldo. Oh, la maîtrise! Quel bonheur pour les yeux! Le jeu repart vers la droite. Rummenigge va-t-il en profiter? Dans la profondeur. Ouais, c'est bien battu. Ballon récupéré. Jean Cancelo. Ça part en contre. Il avait bien lu cette passe. Ok, mais la passe était peut-être un peu téléphonée. C'est intercepté, quelle bonne lecture! Oui, très bonne anticipation! Un long ballon vers l'avant. Avec Ronaldo. Oh, voici Neymar! Et la touche maintenant! Son bien servi sur le côté. C'est joué long, attention. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Avec Nkunku. C'est joué long. Deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Attention à la frappe. Oh, voici Nkunku. Elle est folle. Quelle intervention. Occasion manquée. C'est vraiment frustrant. Il est passé tout près de faire une vraie différence. Sans Cancelo. Messi, Kimmich. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Oh, il peut y aller. Il relance, côté droit. Énorme occasion. Et le cadre se dérobe largement. Et ça n'arrivera pas assez précis. Barella. On est arrivé au bout des 90 minutes. On va avoir droit à une prolongation. Très peu de différence entre ces deux équipes. Le résultat me paraît donc tout à fait logique. Bon, les deux équipes se sont...
Ça va se jouer dans les jambes, bien sûr, et surtout dans les têtes dans cette prolongation. Carlos qui centre. Ouf, un peu d'air. Attention au contre. Barella. La bonne passe. Rodri. Le ballon circule bien, techniquement c'est soyeux. Bonne interception, il y avait danger. Il allonge le jeu. Bien servi. Neymar. Jusqu'au bout. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. Et c'est son deuxième but dans cette rencontre. On peut y aller. Ils étaient tout près de revenir au score. Ce sera le premier corner du match. Barella reçoit le ballon. Ils l'ont gagné, un nouveau corner. Alors qu'en face, ils n'en ont pas eu un seul. Il y aura donc touche. Rodri, c'est joué long, c'est dangereux. Il a trébuché sur cette intervention. There will be 1 minute non, ça manque time. D'application. Avec Nkunku. Coman. Et c'est fini pour cette première partie de la prolongation. Et quel retournement de situation on vient de vivre. C'était fabuleux. Les joueurs ont énormément donné. Ça va se jouer dans la tête maintenant. Les joueurs ont déjà donné le coup d'envoi. On ne s'est pas ennuyé jusqu'ici, espérons qu'on reste sur les mêmes bases. Ça sort, oui, ce sera un quatrième pour eux dans cette rencontre, alors que l'équipe adverse n'en a eu aucun jusqu'ici. Il est là pour dégager. Bien défendu, il remporte son duel. Oh, voici Coman. Ils obtiennent un coup franc. Oh là, il va avoir du travail. Coucou. C'est peut-être un peu emballé sur ce coup. Neymar, bien servi sur le côté. Il y a peut-être un coup à jouer. Il remporte son duel. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Rudiger. Il va falloir le mettre plus la pression pour aller récupérer le ballon. Marquinhos, qui soulage sa défense. Attention, il ne faut pas se reposer sous ses lauriers. Il passe en retrait au gardien. Le long dégagement du gardien. Jean Cancelo. Et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant, le coup de sifflet final. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Sincèrement, il mérite tous les superlatifs après un tel scénario. Rester calme dans un tel match et renverser la situation. Quel match ils ont réalisé. Incroyable ce retournement de situation. Vous avez une explication? Je dois avouer que je ne l'ai pas vu arriver et j'ai encore du mal à comprendre. On avait une équipe qui dominait avant de se faire dominer plus tard. C'est remarquable. On avait...